mesure de se rapprocher pour essayer de valider donc, les classements au fur et à mesure. Je rappelle qu'à partir de 16h30, donc dans maintenant, eh bien, une petite demi-heure, on aura donc, le résultat final, le bilan donc, de ce classement final. Je vous le rappelle, tout d'abord, donc, le numéro 20, c'est le bateau donc, c'est Nolé New Star, c'est un bateau français, mais 100% piloté par des Russes. Deuxième bateau, au conditionnel, donc on va attendre la qualification officielle des équipes, ce serait Abu Dhabi. Donc 6, 8, 7 tiers, c'est gagnant de cette édition des 24 heures autour du titre de roi. Voilà, messieurs, donc il y a un peu tout ce qu'on peut dire. On va essayer d'avoir évidemment les réactions au fur et à mesure des uns et des autres. Et nous, on a l'image de bateau numéro 20, la satisfaction de ce type 100%. Et l'enthousiasme de l'équipe. Oui, Thank you.
Voilà, donc la seule féminine qui finit donc dans en S3, eh bien la première, ça c'était. L'année prochaine, je vous demande de les applaudir. C'est toute la dimension internationale de cette épreuve. Deux jours comme ça, ça aurait été. C'est 24 ans en moto de cycle, merci aux bénévoles, c'était plus de 500 fois plus.